Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast où je vais vous parler du corps de souffrance. Qu'est-ce que le corps de souffrance? Où est-ce qu'il est ce corps de souffrance? D'où il vient? Comment est-ce qu'il se développe en soi? Comment on fait pour le dissoudre? On va plonger dans toutes ces questions-là. Le corps de souffrance, ce terme-là, je l'ai découvert avec un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est un enseignant spirituel, qui a été principalement mon enseignant spirituel pendant pas mal de temps avec Muji. Et donc, je vous invite bien évidemment à découvrir tous ses ouvrages, ils sont formidables. En tout cas, personnellement, je les ai trouvés formidables. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux corps de souffrance ? Eh bien, pour faire des choses simples, le corps de souffrance, c'est une accumulation dans votre corps du passé émotionnel qui vit toujours en vous. C'est la partie émotionnelle de l'ego, si on pourrait dire. Et ce corps de souffrance, par définition, il est composé de toutes les souffrances que vous avez pu vivre depuis le début. Et vous le savez mieux que n'importe qui, l'une des choses par lesquelles on se définit sont les souffrances passées. Et ce corps de souffrance, Tolle en parle très bien, il le voit comme une entité, comme une agglomération, un ensemble de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie qui a un émotionnel négatif, de toute forme de négativité. Et donc, cette douleur du passé, qui est le corps de souffrance, peut se mettre à jour en permanence. Les gens qui se disent malchanceux, les gens qui se disent, peu importe, tous les gens qui se définissent à travers un passé lourd, un passé douloureux, ont en eux ce corps de souffrance. Plus le corps de souffrance est fort, plus il y a en général de souffrance au quotidien. Moins il y a de paix et moins il y a de bonheur au quotidien, si on pourrait dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'une certaine manière, les gens qui ont un corps de souffrance les plus forts sont ceux qui, en théorie, se dirigent le plus vers la spiritualité et vers le monde spirituel, parce que le monde matériel est plus source de souffrance qu'autre chose. Le corps de souffrance se situe dans le corps, c'est merveilleux. Il vit dans le corps et bien sûr, c'est un ensemble aussi de pensées, de choses. Il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Soul, c'est un des derniers de Disney au moment où je sors ce... Et il y a une scène sur la fin où on voit des âmes qui sont perdues. Et en fait, c'est clairement une représentation parfaite du corps de souffrance. Donc, excusez-moi pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vous invite à aller le voir parce qu'il y a clairement cette mise en image du corps de souffrance. Donc le corps de souffrance, ça peut aussi tout le dialogue intérieur de jugement sur soi. Je suis pas assez bien, je mérite pas d'être aimé, oh, je suis nul, tout ça fait une partie intégrante du corps de souffrance. On va dire que c'est la partie mentale du corps de souffrance. Et les émotions sont la partie purement physique. Donc on peut très bien dire que, de la manière dont je l'ai présenté, que si les gens qui portent un passé très douloureux, ce corps de souffrance fait partie de leur identité. Donc on pourrait très bien dire d'une certaine manière que le corps de souffrance et la part émotionnelle de l'ego. Et d'ailleurs, je vous mets une vidéo en haut à droite où j'ai fait un podcast aussi sur l'ego et j'en parle beaucoup plus en profondeur et ça peut être intéressant d'aller voir pour que vous sachiez de quoi je parle quand je dis ego parce que tout le monde met tout ce qu'il veut derrière le mot ego. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Il est intéressant de préciser que le corps de souffrance n'a que deux modes. Il a un mode passif et il a un mode actif. Ce corps de souffrance qui est une entité émotionnelle qui vit à l'intérieur de nous, quand il est en mode passif, tout va bien. Il n'y a pas spécialement de problème et c'est ok, la vie suit son cours. Par contre, quand il est actif, alors là,
ça peut monter dans des choses incroyables. D'ailleurs, chez certaines personnes, le corps de souffrance est actif en permanence. Quand je dis en permanence, peut-être pas quand la personne dort, mais il est actif de manière très fréquente. Plus une personne est malheureuse et mal dans sa peau, plus elle vit dans un corps de souffrance quasi permanent. Et vous imaginez bien que plus une personne avec qui a vécu des choses traumatisantes et qui n'ont pas été acceptées ou qui n'ont pas été digérées, au final, la moindre chose peut se mettre à activer un corps de souffrance, une simple pensée, une simple remarque, un simple regard. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour activer le corps de souffrance de quelqu'un. Il est important aussi de dire que il y a corps de souffrance et corps de souffrance. C'est-à-dire que tous les corps de souffrance ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont des corps de souffrance beaucoup moins présents, beaucoup moins lourds que d'autres. Et vous imaginez bien que plus le corps de souffrance est lourd, plus il peut être dur, méchant, exécrable. L'un des pires exemples, entre guillemets, et d'ailleurs Eckhart Tolle en parle très très bien dans son ouvrage, c'est qu'il raconte que combien d'avocats, demandez si vous avez des personnes avocats, combien d'avocats défendent des clients où le plaidoyer c'est « je ne sais pas ce qui est arrivé à mon client, c'est quelqu'un qui était tout à fait normal, très gentil et tout ça, et il a comme perdu le contrôle, il ne se souvient plus forcément de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit ». Et voilà. Et ça, c'est souvent une attaque du corps de souffrance. On l'a déjà vu dans des scènes de films, enfin peut-être pas tout le monde, mais on voit une scène de dispute où une des personnes est totalement possédée par la colère, la souffrance et tout ça, et se met à pousser l'autre, à l'étrangler, se met à la pousser, et l'autre personne tombe et se tue, et là, d'un seul coup, la personne réalise ce qui vient d'être fait. Eh bien, ça, c'est clairement du corps de souffrance. Donc, comme vous venez de le voir dans les exemples que je viens de vous donner, il y a des corps de souffrance qui amènent à des violences physiques très dures. Et chez les personnes chez qui le corps de souffrance ne se traduit pas par des violences physiques, le corps de souffrance va se nourrir d'émotions négatives, de négativité. Alors le corps de souffrance personnel va chercher à réveiller le corps de souffrance de l'autre pour pouvoir se nourrir. Parce que le corps de souffrance se nourrit de mélodrames, de combats et de luttes. Et donc en réveillant le corps de souffrance chez l'autre, ils vont s'envoyer des noms d'oiseaux, ils vont se faire des remarques, il va s'être dit les quatre fameuses vérités. Ça va appuyer parfaitement là où ça fait mal, on le voit très bien en couple, ou quand il y a quelque chose en soi qui veut se battre et qui va tout faire pour appuyer là où ça fait mal chez l'autre, pour réveiller cette énergie. Et elles vont se nourrir mutuellement. Et ça va rajouter une histoire au petit moi. Mais tu sais ce qu'elle a osé me dire, mais tu sais ce qu'elle a fait, mais tu ne te rends pas compte. À un moment de ma vie, quand je dis un moment, c'était la majorité de ma vie, j'ai vécu dans ce corps de souffrance qui était principalement actif tout le temps. Lorsque je pesais, dès que j'étais dans l'obésité à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 18 ans, ce corps de souffrance était toujours actif vis-à-vis de... Je me jugeais sur mon propre poids, un mental qui était... j'avais un corps de souffrance qui était tout le temps actif. Et c'est très symbolique parce que mon corps était gros, j'étais rempli d'émotions négatives, de pensées négatives. Et même quand j'ai perdu tout ce poids-là, mon corps de souffrance était très, 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 très souvent actif. Et les pensées, les sentiments que j'entretenais vis-à-vis de moi-même étaient profondément négatifs et autodestructeurs. Et dans les pires des cas, entre guillemets, bien évidemment que le corps de souffrance peut amener jusqu'au suicide. Alors j'aimerais partager avec vous certaines petites choses à observer à l'intérieur de vous. Je sais que c'est toujours plus simple d'observer chez les autres. C'est tellement simple de voir le corps de souffrance de l'autre, mais de le remarquer chez soi, c'est pas toujours simple. Alors je vais vous donner quelques petits trucs que vous pouvez noter maintenant pour ceux qui appliquent les choses qui leur parlent.
Eh bien, à chaque fois que vous remarquez quelques signes de morosité, toutes les formes de choses qui paraissent insignifiantes, hein, comme une petite forme d'impatience, voilà, on est un petit peu énervé, un petit peu irrité, une humeur qui est un peu négative, bah tout ça, ce sont des signes que le corps de souffrance est en train de se réveiller et qu'il peut se mettre à surgir. Et avec des signes beaucoup plus évidents, comme par exemple le désir de blesser quelqu'un, la colère, bon bah ça c'est une émotion certaine. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Dépression, le besoin d'un mélodrame, ça on le voit souvent dans les relations de couple par exemple. L'envie de faire des reproches, l'envie de juger l'autre, tout ça, ça peut être des indicateurs qu'il y a le corps de souffrance qui est en train de titiller pour sortir. La seule réelle force qu'a le corps de souffrance, c'est lorsqu'il prend possession de vous et qu'il devient vous. C'est à travers votre inconscience, le fait que vous vous identifiez avec le mélodrame qui se raconte dans votre tête, toutes ces pensées et toutes ces émotions négatives, c'est là que repose toute la puissance du corps de souffrance. Et sachez qu'il va absolument tout faire pour saisir votre attention. Il va raconter les pires histoires dans votre tête. Mais comment est-ce que tu peux te permettre de vivre ça? Comment tu peux accepter ça? Mais l'autre se prend pour qui? Il va y avoir toutes les pensées les plus... qui vont être extrêmement précises pour capter votre attention et faire absolument tout pour que vous deveniez ce corps de souffrance et que vous attaquiez l'autre et que vous protégiez ce corps de souffrance. Et donc plus vous allez vous identifier à ce corps de souffrance, plus vous allez matérialiser la vie de ce corps de souffrance. C'est-à-dire que votre vie, bah, si à l'intérieur de vous il y a cette morosité du corps de souffrance, tout ce passé émotionnel qui vit en vous avec cette réalité triste, qui n'est pas la réalité réelle, c'est la réalité émotionnelle du temps passé qui vit en vous, plus votre vie sera teintée de ça. Parce que vous aurez les lunettes du corps de souffrance sur les yeux et vous verrez la vie à travers ce corps de souffrance. Il faut savoir que le corps de souffrance ne peut pas se nourrir de gratitude, d'amour, de joie. Ça ne fonctionne pas du tout. Le corps de souffrance, de la manière dont je le présente, peut sembler être quelque chose où ce sont les gens qui attaquent. Mais on peut être aussi victime de quelqu'un d'autre et du coup créer un corps de souffrance de victime. Donc ce n'est pas une histoire de bourreau, le corps de souffrance. C'est qu'on peut être victime des autres et ça crée une histoire personnelle de pauvre victime, justement. Et c'est là qui est incroyable, c'est que du coup, le corps de souffrance est celui qui va infliger la souffrance, mais va aussi en demander pour valider la petite histoire que je ne mérite pas d'être aimé. Alors je vais créer des scénarios qui vont m'inviter à vivre la violence de quelqu'un d'autre qui ne va pas m'accepter tel que je suis. Et cette violence, elle peut être tout simplement émotionnelle et qui va valider le corps de souffrance. Je ne mérite pas d'être aimé. Et le seul moyen de réaliser ça, c'est de prendre conscience que les pensées que l'on peut entretenir en soi ou les comportements, les actions, ne font qu'entretenir cette souffrance. Alors bien évidemment, quand vous parlez aux gens, vous dites « Mais attends, mais moi je fais tout, c'est que je vais voir des thérapeutes, je vais faire des trucs, mais je ne me sors pas. » C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de conscience, vous n'avez pas encore réalisé que le mode de pensée, le mode d'action que vous avez ne fait qu'entretenir ça. Parce que cette émotion, ce passé qui vit en vous a besoin de ça pour continuer à valider l'identité que vous avez créée autour de tout ça. Il y avait une phrase qui est sublime de Eckhart Tolle qui disait, alors je dis Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, peu importe, hein, vous prononcez, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation, amusons-nous avec les noms et prénoms. Il avait désigné le corps de souffrance comme étant l'ombre de l'ego. Et donc, le corps de souffrance a peur, il craint la lumière de la conscience.
c'est beau. Hein. Et donc, pour transmuter tout ce corps de souffrance, il n'y a pas de truc magique. Simplement observez consciemment ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans chercher à rajouter des histoires, sans rajouter un combat, une lutte avec ce corps de souffrance. On n'est pas là pour dire « il ne devrait pas être là ». Si vous l'observez avec la lumière de la conscience que vous êtes, alors ce corps de souffrance finira par se dissoudre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du corps de souffrance et de sa puissance. Mais sa survie vient aussi du fait que vous fuyez ce qui se passe en vous. Et c'est pour ça que je passe tellement de temps à vous dire « accueillez ce qui se passe en vous, permettez les sensations ». Parce que l'un des mécanismes de base du corps de souffrance, ça va être de déclencher une émotion négative à l'intérieur de soi qu'on ne veut pas ressentir. Et donc le premier réflexe, ça va être de projeter ce mal-être sur le monde extérieur. Et si en face de vous, il y a votre conjoint, alors si d'un seul coup vous sentez votre cœur se serrer ou un vide au niveau de votre cœur, cette sensation négative, quand vous refusez de la ressentir, vous allez le projeter sur votre copain en face et dire « mais tu ne m'aimes pas, tu ne me portes pas assez d'attention, tu n'es pas assez présent pour moi ». Et là, il y a tout un mélodrame qui va se jouer à nouveau, qui est lié au fait que vous ne voulez pas ressentir ce truc-là. Et surtout aussi parce que vous vous êtes identifié avec ça, donc il y a un niveau d'inconscience relativement élevé. Et tout ça va permettre au corps de souffrance de survivre. Donc vous vous rendez bien compte que si d'un seul coup vous permettez de ressentir les choses qui sont présentes dans votre corps, et qu'en plus vous ne vous identifiez pas avec les histoires mentales et émotionnelles qui se passent à l'intérieur de vous, alors le corps de souffrance se dissout. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo que je vous mets en haut à droite sur tuer son ego ou observer son ego mourir. Et j'avais fait cette vidéo pour justement illustrer concrètement ça. Je pense que c'est vraiment une vidéo à voir pour les gens qui ont besoin peut-être encore un peu plus de concret. Et je peux vous garantir que le corps de souffrance va vous raconter tout un tas d'histoires pour vraiment, vraiment, il y aura des assauts du corps de souffrance. Mais plus vous allez être conscient, présent à maintenant, plus vous allez voir ces petits tours de passe-passe. Et très souvent, on va se mettre à s'identifier au corps de souffrance et on va de nouveau être présent peut-être quelques heures, parfois quelques jours après l'événement qui a déclenché tout ça. Et vous allez voir que plus vous allez être présent dans votre quotidien, et bien plus vous allez pouvoir être présent au sein de cette crise et parfois au moment où le corps de souffrance va surgir. Et là, c'est magnifique parce que tout se jouera à ce moment-là. Donc soyez présent, permettez les sensations dans votre corps et vous allez voir que ça va radicalement changer et transformer votre existence, sans le moindre doute. Donc je vous invite profondément à faire cette expérience-là. Elle est merveilleuse. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite, rejoignez-moi et observez toutes les vidéos, tous les partages d'expériences que j'ai fait. Et puis s'il y a d'autres vidéos qui vous plaisent, c'est merveilleux. Et puis voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt.